Bonjour, bonsoir, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur, votre émission préférée et de votre chaîne Congo Dialogue, la chaîne qui vous informe autrement. Là, je m'en vais dire un grand merci à la première dame, à la First Lady, la coordinatrice de cette belle chaîne qui vous informe. Là, je cite Madame Francine Ngembe de la Belgique. Moi, c'est à Pembe. Pour nos soucis, Azali ko attaché na chaîne au dialogue pour pouvoir informer tous nos fidèles internautes au Bazalaka à tout moment scotché pour nous relancer le programme Nabiso et Congo Dialogue. Et encore une fois de plus, merci Madame Francine Ngembe de la Belgique. Oyo Azali, ming na souci pour nous informer bino kotia énergie moyen disponibilité pour que tout soit toujours à la pointe de l'information. Alors chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur, votre émission préférée et précisément de la chaîne YouTube, là je cite Congo Dialogue. Le sujet tourne autour de la plateforme Lamuka. La plateforme Lamuka, hier, est une plateforme électorale, une coalition électorale, voulais-je dire. Et après les élections, après le chèque consommé de Lamuka, après les élections, il y a présidentielle, où il y a Bongo Nangam ou Cash, je crois, vous avez sans nul doute que Cash, Azalaki. Il y a dissidents au Bazalaki Nakati, il y a coalition, il y a Lamuka, pour signer à Mikanda au niveau de Genève, pour que ait un candidat commun. Et Bimaki Bongo à la personne de Martin Fayoulou. Et affaire base à Yigosala, la base de Félix Tshisekedi, Télémélaki, décision pour Nabango, mon que Martin Fayoulou ne faut pas. Le poids qui a offert face à la présidentielle ou soit à la Liboso y a candidat à Bango d'Akibongo Félix Antoine Tshisekedi ne ba kendaki ba sali cash cap pour le changement. Alors batikalaki ba o baki ba sali cash o bazaki bongo candidat comme na Bango qui Félix Tshisekedi na ngambu ya Lamuka batikalaki toujours avec le même candidat où il s'agit y a Martin Fayoulou. Alors après les élections, après tout ce qu'il y a eu comme tractation après les élections, Bamissou Baloba qui c'est Martin Fayoulou, Bamissou Baloba qui est allé Félix Tshisekedi qui est déjà investi en tant que président de la République la démocratique du Congo, Vital Kamerhe qui bon qui coalition na Félix Tshisekedi qui est aujourd'hui le directeur du cabinet à Félix Tshisekedi, la Mouka Koti na identification en tant que coalition, il y a pas parti politique pour nos élections parce que les élections appartiennent à l'histoire aujourd'hui. Appartient à l'histoire, pourquoi? Parce que le train est déjà en marche, le train s'ébranle déjà. Et c'est même pour cette raison-là, on se pose la question de savoir si toutes les démarches que Martin Fayoul est en train de faire à travers le monde aboutira à quelque chose, parce qu'il est en train de réclamer jusque-là son électorat, sa victoire, qui semble, selon lui, été volée par Félix Tshisekedi et, bon, bref, le cash. Donc, quand je cite le cash, là, je vois Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Après une réunion où ils ont été tenus, naba tenor, il y a Lamuka, et Salika, basculer coalition électorale na plateforme politique, mais tout en gardant les objectifs au Bazaki Nango, mais parce que les élections appartiennent déjà à l'histoire, ils ne peuvent pas continuer à œuvrer en tant que coalition et locaux aux équipes pour l'élection. Et déjà là, ils ont signalé un mot très fort pour Nango Talisaka, Martin Fayoulou a de très bonnes raisons et Roluka. Comme qu'on a un peu rétroviseur, pour ça la introspection, est-ce qu'il est toujours nécessaire qu'il puisse réclamer sa victoire en lieu et place de se mettre au travail en tant qu'opposant
Parce que je crois fermement qu'il ne va pas accepter la main tendue de Félix Tshisekedi pour travailler avec le cash qui a fait coalition avec. Qui a fait coalition avec. Avec le PPRD. Alors, en tout cela, cela nous amène à réfléchir et à voir très clair pour dire que aujourd'hui, Martin Fayulu doit refaire, recadrer le tir de manière à pouvoir comprendre qu'il ne peut plus parler de sa victoire, d'autant plus que les gens avec qui il a fait coalition se sont dit que cette coalition est Kobongwama n'a plateforme politique. Je crois que je suis très clair à ce sujet. Et pour ne pas parler à la place de la bouche ou de bouche autorisée qui a été représentée ici sur le plateau, il y a confrère Nabissou, il y a TV5. Là, je cite l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo qui était reçu sur le plateau. Il y a confrère Nabissou, il y a TV5. Total, qu'est-ce qu'il a dit après réunion? Conclusion, il bâtira qui? Pour que. Et après, justement, après réunion, il y a Tenor, il y a Lamuka, Oyoyo, tant que Bandaki, réunion, il y avait une absence remarquée à Moïse Katumbi, à la fin de compte, parce qu'il était pris, pour des raisons politiques toujours, mais jour, il y a clôture, Son Excellence Moïse Katumbi avait pris part dans la réunion. Non? Et tout à l'heure, qu'est-ce que le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo avait dit à ce sujet? N'est-ce pas, Madame Francine Nguembe? Maître Freddy Biangandu depuis Paris. Suivant, on se retrouve juste après pour d'autres analyses. L'action tous ensemble que nous avons menée au sein de l'AMUKA, c'est-à-dire l'unité de l'AMUKA, de tous les membres, les leaders de l'AMUKA. Cela nous conduire après l'échec de la proclamation des vrais résultats, la vérité des urnes que nous n'avons pas pu obtenir et qui ont été confirmées par notamment la CENCO et d'autres organisations internationales où notre candidat commun, M. Fayulu, a gagné avec 62%. Aujourd'hui, nous devons nous transformer en plateforme politique pour pouvoir continuer à défendre les intérêts de la population, à mobiliser la population et surtout à préparer ce qui ne peut plus arriver demain, c'est-à-dire des mensonges et des faux résultats qui pourraient advenir dans les prochaines échéances. Mais bien sûr, toute la question de la stratégie et l'organisation de l'AMUKA va continuer et va être rendue publique dans les jours qui viennent. Alors justement, cette réunion devait durer 2 jours. Finalement, ça en a pris 3. Hier, la conférence de presse s'est tenue près de 4 heures, hein, après l'heure annoncée. Quelles sont les divergences qui vous ont pris autant de temps à planir, Monsieur Bemba? Non, mais d'abord, ce sont des discussions, ce sont des débats. Et puis, c'est également l'occasion aussi de faire le point, hein, parce que c'est la première fois que l'ensemble des leaders de l'AMUKA se réunissaient après les élections, le 30 décembre. Donc, il était question de pouvoir faire le point et d'envisager, bien sûr, l'avenir. C'est ce qui a été fait. Nous avons sommes mis d'accord sur, en tout cas, partager le même point de vue pour que l'avenir continue au sein de l'AMUKA. Et que les intérêts de la population puissent être défendus, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement dans ce pays beaucoup de mensonges. Les institutions ont été créées et sont fondées sur des mensonges au niveau des résultats, tant au niveau provincial, national et bien sûr au niveau présidentiel. Alors, vous êtes donc, nous dites-vous, d'accord sur un avenir commun. La déclaration indique quand même, je cite, que vous allez étudier les possibilités de transformer l'AMUKA en une plateforme politique et en définir les modalités d'organisation et de fonctionnement. Donc manifestement, c'est sur ce point hein, qu'il y a encore des divergences, puisque c'est pas tranché. Quelles sont les différentes positions au sein de l'AMUKA sur la façon dont vous devez participer à la vie politique congolaise? Il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture qui est faite au niveau de ce communiqué et qui doit démontrer clairement que nous allons entamer des discussions pour pouvoir dresser l'avenir de l'AMUKA. C'est important parce que il est question là-dessus de préparer l'avenir d'un grand rassemblement. D'autres partis vont certainement nous rejoindre, personnalités vont nous rejoindre. Et tout ça fait partie de la discussion, du cadre dans lequel nous allons mettre l'AMUKA, mais la chose la plus fondamentale et la plus précise, c'est que nous allons rester ensemble et que nous allons continuer à mener un
combat commun au niveau politique, tout en soutenant l'ensemble des réformes qui doivent être envisagées dans ce pays, parce que 2006, 2011, 2018, on ne devrait plus répéter, je veux dire, les parodies d'élections dans notre pays. Martin Fayulu, votre candidat est engagé dans un combat pour la reconnaissance de sa victoire à la présidentielle. Est-ce que ce combat reste la priorité de la coalition Lamouka ? Bien sûr, c'est légitime, parce qu'il a gagné les élections à plus de 62%. On a volé notre victoire au niveau de la présidentielle. On a mené un combat pour le peuple, pour le changement radical au niveau de tant de la gouvernance, au niveau de respect des droits de l'homme, que nous voulions installer dans notre pays. Cette victoire qui nous a été volée, il la conçoit et il veut la faire partager. Ce qu'il y a maintenant, c'est que nous devons... Oui, au niveau de Lamouka, est-ce que vous allez axer votre stratégie sur la reconnaissance de la victoire à la présidentielle ou sur une autre action politique ? Non, nous allons étendre l'action politique. Nous devons, comme je le disais, devenir, dans cette plateforme politique, avoir une stratégie pour pouvoir, par la suite, préparer la population à ce que Lamouka soit une force d'alternance demain dans le pays. La confiance que la population nous a faite, nous devons la garder. Et nous devons la mériter. Et les propositions que nous allons faire, les actions que nous allons mener vont aller dans ce sens-là. Monsieur Bemba, une dernière question en quelques mots. Il nous reste peu de temps pour clarifier. Est-ce que vous considérez qu'il faut à présent, ou non, tourner la page de la présidentielle ? Ben, on ne peut pas éviter de regarder le passé pour construire l'avenir. Et je pense que ce qui a été fait dans le pays dernièrement au niveau des élections, qui est une fabrication totale de tous les résultats, font qu'il faut absolument que nous mettions en place des mécanismes pour que ça puisse reproduire. Et nous constatons également que la population qui a été lésée, trompée, volée, je veux dire, dans sa victoire, réclame également aussi qu'on puisse veiller à ses intérêts pour demain. Donc Lamouka va continuer à veiller sur ses intérêts. Et dans les jours qui viennent, nous allons vous dire précisément de quelle manière nous allons veiller aux intérêts de la population. Donc les discussions sont encore en cours, si nous comprenons bien. Ah oui, des commissions vont se mettre en place pour pouvoir rédiger le cadre, les structures et l'architecture, je veux dire, de Lamouka pour demain. Et voilà, nous sommes encore de retour sur notre plateau de coup de projecteur. Là, je salue en passant Maître Guilain Kibwanda, GGP, Popol, depuis Kinshasa, le patron de la Maison La Grâce, une maison qui vous donne le service technique, réparation de téléphone, ordinateur, agence de voyage, facilitation visa pour études universitaires à l'étranger. Allez-y visiter Maison La Grâce sur quartier Tomba, précisément dans la commune de Matete. Référence complexe Omida, Tomba, Matete. Je crois, Brotu, voilà, on a ma déclaration, ma réponse plutôt, il y a sénateur Jean-Pierre Bemba. Sur le plateau de nos confrères, il y a TV5 Monde. Et ils ont très clair. Pour nous retenir, il faut qu'on recadre maintenant tir. Bah, quand on a sous une sens élection, parce que l'expérience nous enseigne. De quel enseignement je parle? À chaque fois que Moutoussi va proclamer en Afrique que président, tout ce qu'on demande là, contentieux électoral, cour constitutionnelle et tout, ça n'apporte guère de solution vraiment. Et surtout que ils ont beaucoup plus cible. Ils ont une formalité moko inutile. Donc c'est pour dire qu'ils doivent maintenant voir dans l'autre sens, changer physique d'épaule. Parce que Yemoko Bemba, à Koutananango en 2006, face à Joseph Kabila, il avait beau réclamer victoire naïe, c'était en vain, sans succès. Et Soukaningesuka, en 2011, le papa du président actuel, qui est Félix Tshisekedi, à l'époque c'était son père, c'était le feu, le patriarche Étienne Tshisekedi, en 2011 avait réclamé sa victoire face toujours à Joseph Kabila. Et comment était le niveau qui nous restait? Il a investi je crois sans succès pour jusque là gouvernement n'est pas ce monde salaté. Et selon Batumsu Bazo Bakir, Félix a dit continuité à Kabila, alors c'est que
bah Martin Fayulu donc le Lamouka Bazali na tant ya ko réfléchir tant ya ko kokanisa ta mukolo morote que le comment le train côté le pour que baloba Félix Aloba ke bon d'accord je cède Martin Fayulu vient prendre ta place et surtout que Kitia Bokondi Mbende et Rane Souka le Alikambo Arnaud Mouanga depuis Angola est-ce qu'il y a aussi il faut changer le fusil de Paul. Alors à ce sujet toujours nous avions pensé il y a qu'à faire parler un de nos usagers, un consultant depuis Cape Town. Et retenez que l'émission Coup de projecteur se passe ici à Johannesburg, mais je fais un élément en duplex avec un consultant depuis Cape Town, ici en Afrique du Sud. C'est un membre actif, il y a MLC, on est au niveau, il y a South Africa. Il a parlé sur le communiqué, la prise de position et la Lamouka après réunion à Bango Basalaki. Boyoyo, déclaration, je crois, Boyo, qui même a résumé Namamounokoya, sénateur Jean-Pierre Bemba. Tolanda, après tout son à la plateau. Oui, merci beaucoup Congo Dialogue et Thierry Emboli de me donner encore l'opportunité de s'exprimer. Aujourd'hui, faire la Lamouka un parti politique, oui, c'est la démocratie, c'est très bien, mais malheureusement, ça doit être quelque chose de la population que la base doit décider. Et moi, je pense que ça devait passer par un congrès et puis définir les intérêts les idéaux de la Lamouka parce que chacun a sa façon de voir les choses vous savez aujourd'hui faire de la Lamouka un parti politique ça devrait faire quelque chose de bien surtout naba congolais pour être coïdé bango baye ba un peu ko zala na position moko parce que ceux qui ba parti politique ils est belé vraiment ils a ramine na ba divergence y a ba idée même y a ba leader mais ceux qui est commis parti politique ndenge ba sangani ba sala regroupement moko d'opposition à makasi et ko zala malamu mais sauf que ba intérêt na ba objectif wana il faut ba présenter yango nanu na base ba présenter yango na base ba kende na congrès et puis à partir à wanande base ko décider pe ba pesa bango ba directive parce que voyez-vous aujourd'hui na kati ya G7 par exemple ils en a bande ko lokwa ba Francis Kalombo o ba zalaka na ba discussion makasi na ba 2012 ba 2011 na ba cadre ya MLC entre autres ba William Cannon alors ko sangisa bango et sengeli peut-être que ba ke ba le kanaba na ba réconciliation moko bo e ko zala visible pour na ko aider un peu base peuple base à la INI parce que ils ont le côté à consala ngo kaka 7 personnes 5 personnes basangani na Genève pour na intérêt moko national et moi je vois que il faut vraiment bas associer base et puis bas associer population à la fois na Kasiwana et puis bas respecter bas principe il y a militantisme c'est-à-dire que ba loi ou bien ba règlement d'ordre de feu bandana na base et puis na sommet et puis ba biloko wana merci beaucoup papa et je pense que yangonde vraiment et loko pona loba ba respecter ba principe ceux qui ba respecter ba principe to komona la muka et ko sala makasi pe et ko umela mais ceux qui ba sala ngo pona ba propre intérêt na bango na komona na et ko sala un peu difficile lobby et to komona mutu ko ba ko so position na e mais ceux qui ba sangani pona intérêt ya nation en tout cas et ko sala malamu et puis ba associer toujours base et ba kitana kisasa ba kitana Congo pona ko lakisa ko talisa batu eloko nini balingi ko sala pona venir ya mboka Congo RDC vraiment l'unité dans la politique ezeloko moko malamu ezeloko ya mabete mais il faut unité on ezala bien défini et puis ben intérêt na objectif na bango ezala vraiment bien défini surtout projet à société merci beaucoup voilà chers fidèles abonnés Bolandi président Vanguardio depuis Cape Town en South Africa il a parlé sur La prise de position finale, il y a la Lamouka. Mais il est de l'MLC. C'est pour dire que Martin Fayulu, il faut amener à recadrer ce qu'il tire. Sinon, tu es à la distraction.
il s'est distrait inutilement. Il est peut-être aussi en train de faire distraire les autres. Pendant que Nakata a distraction, le train marche. Ils ont évolué, ils ont kené, tant soit peu, tant bien que mal, ce train-là, ils ont kené. Alors c'est ce qui va poser problème dans l'opposition parce que suite, il y a prise de position, il y a même en 2006, tout ce qui est là, on a porté parole à l'opposition. Et là, on a 2011. Donc c'est pour dire que système de jeu politique, il y a de base toujours à la tête, il y a gestion, il y a mot, il y a un bruit, il y a une opposition. Et puis de quelle position, de quelle opposition parle-t-on? Hein? Eric Zaz en Cape Town, de quelle opposition parle-t-on? Il n'y a pas une opposition au Congo, parce que nous en avons plusieurs branches. Qui est cette branche qui va accepter que l'autre branche n'est pas sa porte-parole? Il y a opposition, opposition globale, c'est que va porte-parole, va opposition va aller bêler. Au moins qu'il y a besoin d'avoir un abat la moncate, moins qu'il y a besoin d'avoir. Donc c'est-à-dire le Congo toujours qui n'est pas immobilio sur immobilio. Nous sommes en train de patauger. Nakati ya poto poto. Voilà. Alors notre consultant, il avait aussi parlé sur l'incertitude, parce que Martin Fayulu était voté à l'unanimité. La rencontre Basalara pour sa coalition électorale, de Babimsa qui est Abima qui Babimsa qui était sur le sur vote, Abima qui candidat commun Yalamuka, si bien qu'il y a eu de mécontents qui étaient partis pour faire le cap pour le changement. Et les élections sont parties, appartiennent déjà à l'histoire. Et est-ce que la nouvelle plateforme qui est mise en place, Oyo et Bongwan et Sali bascule de coalition électorale à la plateforme politique dont la dénomination reste toujours la Mouka, ce sera toujours Martin Fayulu à la tête. Question mark. Ce qui les a été, est-ce qu'ils ont fait ça mécontentement pour que ces derniers claquent la porte parce que Boebi est un africain? Non, pas africain, c'est Moutou en soi, à l'ingi pouvoir. Et si on a un africain, et qu'on a un beaucoup tout pas qu'on a un désordre, Madame Francine Nguyen, est-ce qu'on a aussi? Ce qui est lobby, c'est bon. Nous avions commencé avec le Lamouka comme coalition électorale, mais parce que les élections appartiennent à l'histoire, la nouvelle plateforme politique, où il gardait qu'à Kombo et à Lamouka, Kebaloui par exemple que le leader Mokambi Ezala par exemple Jean-Pierre Bemba To Ezala Moïse Katumbi To Ezala Matungulu et j'en passe. Est-ce que Ekobota Likundute Ekobota mécontentement auprès de Martin Fayulu à ce sujet? Notre consultant avait aussi essayé de démettre son idée sur ça. Voilà. Le numéro sont là. Tout ce qui sort de notre bouche n'est pas parole d'évangile. Et puis, Tolobi, tu sais que le micro n'est pas approprié pour un certain nombre de gens. Non. À tous ceux qui veulent participer à cette émission, le numéro est quand même toujours ouvert. Pour nous recevoir d'abord suggestions et remarques, et à ceux qui veulent participer au Bengi, pour Yambabino sans problème, et toujours notre seul objectif, c'est d'informer, d'éveiller conscience et à Congolais. Notre objectif, c'est de défendre beaucoup plus l'idéologie, la chaîne, Nabino, Congo Dialogue, pour que on va vous informer autrement. Suivons. Écoutez, mon frère, ici, je n'aimerais pas être un prophète de malheur. Mais étant que nous faisons des analyses politiques, moi je pense que ce que j'avais dit, ils doivent promettre pour l'intérêt communautaire de la population, surtout de la RDC Congo. Kotiaïété, et ça, il faut bangonner sur base d'un souci, et puis basala au babengi maturité politique. Ceux qui balikina congrès, ils ne gagnent pas bissio et causent la malade au mingi.
mais ce qui va salir en gros kaka pour un intérêt personnel ou bien intérêt na bango moko, je pense que kozala mabe makasi. Bas ça la système y a ba mandat et puis bazali ba cofondateur y a la Mouka, mais leader y a la Mouka, chaque 5 ans mandat na esili et puis ba tie mususu. So y babi ke mandat kozala renouveler 2 ans na suffrage moko universel y a congrès y a parti et qu'on a mal à mon mingi. Au moins, ceux qui, bah, ça, les locaux, on est qu'on a la bien, pour tout l'ongola, on a un système, il y a un parti état, un parti unique. Ou monique parti banda depuis banda leader azalaka ye moko soki akufi batie mwana ou bien batie ndeko na ou bien cousin na ye au moins biloko wana ezo edete na démocratie ya lobby mais soki basali système ke manda esili batie mususu manda esili batie mususu mutu nyonso aleka na kozala leader to représentant ya lamuka et kozala malamu mingi ndenge na biso ki ke principe ya militantisme mitantus donc c'est-à-dire pouvoir ezo bandanase ezo matalikolo bazo le kabangoni sur na suffrage ya vote et kozala bien makasi vraiment ko aider peuple congolais pe ko aider mutunyos tout aiba ko jouir na ba intérêt na ye et surtout ba présenter un projet de société moko ya bien. Je ne pense pas que Martin Fayulu peut accuser la égoïsme politique, mais faut baser la maturité politique et causer les locaux comme à l'amour ce qui coule en écosalaté et puis bah définir bah intérêt à Bango. Je pense c'est ça. Merci Neko. Voilà, donc nous sommes encore de retour sur ce plateau. Massa nanani pichupaka mona chupu hiver déjà bandia donc moni moi tu bani kama kama bakingwa on a ba mutu. Il fait très froid ce matin. C'est déjà le début de l'hiver ici en Afrique du Sud. Donc il y a une calamité à Poïne dans le Sahara. Il y a bien un apôtre dans le décembre. Il y a bien une année au mois où on a dans le côté d'avril, il y a des dégâts. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors vous avez suivi le président Van Gardio. Il a parlé à ce sujet sur la personne à mettre en tête de cette plateforme politique. Pas trop de commentaires à faire, c'est le président Van Gardio qui a parlé. Un membre actif, il y a MLC, mais qui réside ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, place Mokilesuka. Vous voyez place Mokilesuka, Kuna. Place maintenant Mokilesuka, océan Atlantique, océan Pacifique et tout en a, il n'y a rien à Cape Town. Place Binanza, Mbeabek, non, Koto Mabele Suka, ah, il n'y a rien à Kuna. Coup de chapeau, là-bas, nous sommes à Cape Town, Oazoula Nangaï, notamment Eric Zaza. Na madame nae motomongo bien Eric Zaza. Alors tokenda ki sous na kati ya contradiction toujours le cible de Zara Lamuka. Aujourd'hui nous parlons de Lamuka sans nul doute bolanda ki na ba chaîne na télévision na ba réseaux sociaux na ba chaîne YouTube ya ba neko mususu ba déclaration ya Kiungu les patriarches Kiungu ke Mwanza. Comme quoi que G7 est ensemble Balongwaki Nakatia Lamuka. Balongwa Nakatia Lamuka. Pour lui, il avait dit que l'objectif de Lamuka c'était les élections. Mais parce que les élections c'est les Kaki, les Kaki, normal pour Nabango, que chacun a Zonga Nababsika Bautaka. Alors, Bango G7, na ensemble, le leader na Bango, Ezalaki Moïse Katumbi Tchapoué. Et certains de nos confrères, Bayambaki Bango, notamment na ba Radio Kapi, posa ki le patriarche Kiungu question, est-ce que ba déclaration bazo salawana, Ezalaki partagé le même avis que leur président, qui est Moïse Katumbi. Leur réponse était un peu compliqué, et ça n'a no sens. Mais curieusement, Bango Balongo, Balongwe, Nakati Lamuka, mais, tozo mona, participation ya Moïse, Nakati, ya ba réunion Bautiko Sala, pour basculer des coalitions à la plateforme politique. Imboglio. Alors qui décide? Dans l'ensemble, on a G7. C'est Kiungu.
où c'est Moïse. À ce sujet, intervenant à l'abisso, à mes cas qui se réagir, Tommy Garolandaï. Après tout, on dit plateau Nabisso et à coup de projecteur pour que tout méga ko méga susko kani samouké. Suivant, et on se retrouve juste après, Maître Freddy Biangandou. Mon cher Thierry Mboli, vous savez, papa Kiungu, baza vraiment ba modèle te à Kolanda na politique, sur le plan politique. Baza ba papa Mokoboye, moi je les appelle des mativistes. Baye bakelo ba sala raté oyebi ba déclaration à Kiungu Bela sala à salaka na ba 2003-2004 pour Kabila et puis baza batu oyo ba kotaki Kabila na Katanga bango de ba vanté Kabila na Katanga et puis ko tala G7 wana na ndenga mabete eza batu oyo ba travaille ki na Kabila donc base na bango ezalaki PPRD et puis ba longwe et puis na katia G7 wana ko mona ebele basala ba vagabondage politique bazana kati wana ba Olivier Kamitatu basebele ba Francis Kalombo donc ezana ba déclaration mususu ezaba déclaration moko ezana nationalité ezaba déclaration mususu oyo ezo sunga mboka te tozana temps ya réconciliation nationale sur le plan politique et sur le plan ethnique. Tout ça n'a tant y'a qu'on s'est séparé kate, y'a qu'on l'a barqué, non, batouba keboué. Bilo kwana tozo, tele melango makasi, parce que ezo sunga mboka te. Mboka e nyo kwami mingi, pona ba déclaration moko o ezali, ethnique ba déclaration o ezo mema, séparation na mboka. Soki ba définir ba intérêt, et pourquoi ba okabwana? Ba okabwana pou ba kende wapi. Tu es bien la déclaration à la Mouka, tu l'as dit que Moïse Katumbi a lobby, Félix n'est pas l'ennemi, accompagné que Félix na Genève, là c'est vrai, mais a lobby ennemi c'est Kabila. Mais talananou, ennemi Kabila, mais à travers qui pena Kabila. Au moins, système ya Kabili, ton système au Kabila memaki, et bazala ki batwa liboso ya quoi appuyer en gros. Mais tant ba monique, Masou est comme na kozinda. Bango ba bendani mais ba banda ki na Kabila tokokota na point na te ya polémique to polémique système ya 3e république to système ya Kabila ezala ki accompagné na bande ko nyoso o ba travaille ki na ye sans exception il faut ba ndima ke ba avoue ke ba accompagné ki ka parce que bazala ki ba conseiller d'une manière d'une autre ya Kabila donc koloba ke l'ennemi commun c'est Kabila. Ils allaient vraiment, ils ont tongé un beau côté. Na tant autre, ils ont apporté la réconciliation nationale. C'est-à-dire, Batunio se bat travailler qui n'a mboka Congo. Bazala, bazabi némité, mais bazira qui mboka nandenge ya mabe. Il faut pas répondre na mal gestion au bazala qui n'a mboka. Bazongi ça, biloko au nyonso bazwa qui n'a mboka nandenge ya mabe. Bazongi ça au pillage ya ressources. Minière, to pillage, yaba mbongo o basalaki, ba zongi sa yango, et puis tant ba ko zongi sa yango na mboka, ba ko zala le bienveni na communauté, mais ko zwa bango, ko benga bango loko a benemi, je pense que zali ko kreye li susu, o to zali ko benga ba fistraction politique, to ba exil politique, o biso na Congo to lingi soubi lo kwa nate. Congo to lingi, Congo ezala reconstruit. Ko reconstruit Congo, il faut qu'on sangisa mutu nyonso tout, mais kolongola mabe. O ezala ki mabe, to tie mupanzi, o to pes to ko charge bango na ba mande. Il faut ba futa ba mande, il faut ba futa ba mbongo o ba piaki pendant longtemps na mboka ya Congo. Mais ko zwa bango ko bwaka bango libanda to ko epsa bango ba s'exiler, je ne vois pas wana ezali malamu te, mais ceux qui ba zongisi ba mbongo, ceux qui ba futi ba mbongo wana avec intérêt na oba piaki na mboka et moi je vois que gouvernement et kozala bien et puis to ko aider gouvernement gouvernement ya Félix Tshisekedi et kende malamu pona intérêt ya bana mboka ya ba congolais nyos tout mais ko loba ete que oyazale nemi ko tie mupandi je vois que politique ya abstinence wana to ya ko takine baninga et kozala malamu vraiment te mais to mema bango na raison loi elande la bango loi
etala makambo na bango pe loi ezong sa bango na nzela e futi sa bango ba mande il faut ba futa o basalaki e bazay belé ezaka ka groupe ya Kabila tena ba o balongwaki o bazalaki pe na Kabila balongwaki soki basalaki mabe il faut loi ezong sa bango ba futa ba mbongo wana je c'est un peu ça donc ba déclaration o ezali négatif o ezo comme ma division vraiment to ko landa yango mingi te voyez-vous que kingo alobaki mais président na etanga leki na na réunion wana bolanda ki pe alobi ke aza toujours membre ya la Mouka et puis azo ko soutenir la Mouka mais accompagné ki Félix lelo Félix aza na kamusus même Félix pe aza la toujours na écoute ya la Mouka parce que bango nous baza d'obédience ya la Mouka babanda ki bakenda ki comme la Mouka mais bango bazongi comme cash donc c'est-à-dire okende na bango bazaki toujours un intérêt moko pona ko telemela makambo o Kabila zaki ko sala basangana ki pona ko tia Kabila mopanzi lelo soki Félix a gagné mais babosa na teke bango ni so bakendaki comme la Mouka malgré bazonga ki comme cash mais bazala toujours na idée o bakendana ki nango ya ko bundela mboka ya ko sauver mboka na maboko ya Kabila Kabila azali enemite. Kabila azali enemite, Kabila azali mutu oya travaye na bango na kati ya mboka, Kabila azongi sa bambongo, Kabila aleka na justice, justice kata makambu, et puis azali citoyen oyo azo beneficie pe na ba, na ba, na ba protection ya mboka. Donc a travaille ki na mboka pendant 18 ans, soki bolobe ke azala ki étranger mais pendant 18 ans botika ki bo travaille bo lia na ensemble, lelo soki a longwe, il faut loi ezala justice ezala elandela ye afuta babiloko azongisa babiloko yena batu na ye o bayibaki na mboka bazongisa ndenge bajeraki mabe comme ça mboka etambola liboso et je pense que kozala malamu kosala be exilé politique et dakamboka te so hotel na ba pays oza développé okomona bango ne so bavandi sika moko pona ba intérêt merci beaucoup papa je pense que c'était ça ma dernière préoccupation et puis intervention merci Thierry Mboli vraiment nzambe abate la Congo nzambe abate la paix émission na bino ya Congo dialogue nzambe abate la paix maman Francine vraiment na kombo na Yesu kimia ezala na mboka na biso merci beaucoup bonne journée et à tout le monde merci. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau, il y a coup de projecteur, chers fidèles abonnés, il y a Congo Dialogue, votre chaîne YouTube qui vous informe autrement, qui est coordonnée par Madame Francine Guémé de la Belgique. Et là, je salue mes confrères avec qui nous évoluons dans cette même chaîne YouTube. Là, je cite mon homo, Thierry Pindi, que je salue depuis Belgique. Je salue Josué Boloa, mon confrère de Congo Dialogue depuis Cape Town, José Boloa. Il y a eu un mois, ces jours, dans Djokovic, il y a eu bien. Déjà, il y a eu un Cape Town. Là, je salue tous mes confrères de Congo Dialogue. Au bas, là, c'est vrai. Na Kinshasa, na Angola, na France, na Belgique, et y compris en Afrique du Sud. Et on est ensemble. Voilà. Tout le monde, déclaration et à Ndeko Vanguard, rien à dire sur la prise de position et à la Mouka et plutôt à Kyungu et na Imoglio Oyoyo et ça que Kyungu Balobaye Kebesi Balungwa. C'est ce qui fait que nous puissions avoir de réflexions approfondies à ce sujet. Alors, Tozon Selipino Lissou communiqué et plutôt extrait il y a sénateur Jean-Pierre Bemba sur le plateau à TV5, Botala Lissoussou pour nous rafraîchir nos mémoires et ce qu'il avait eu à répondre à ma consoeur et ma consoeur à la chaîne française qui est TV5. Bo Mekako Landaye, calmement, Bo Mekako comprendre de quoi il s'agit sur les questions qui lui avaient été posées. Nous, l'action tous ensemble que nous avons menée au sein de la Mouka, c'est-à-dire l'unité de la Mouka, de tous les membres, des leaders de la Mouka. Cela nous conduit après l'échec de la proclamation des vrais résultats, la vérité des urnes que nous n'avons pas pu obtenir et qui ont été confirmées par notamment la CENCO et d'autres organisations internationales où notre candidat commun, M. Fayulu, a gagné avec 62%. Aujourd'hui, nous devons nous transformer en plateforme politique pour pouvoir continuer à défendre les intérêts de la population, à mobiliser la population et surtout à préparer
ce qui ne peut plus arriver demain, c'est-à-dire des mensonges et des faux résultats qui pourraient advenir dans les prochaines séances. Mais bien sûr, toute la question de la stratégie et l'organisation de la MOUCA va continuer et va être rendue publique dans les jours qui viennent. Alors justement, cette réunion devait durer 2 jours. Finalement, ça en a pris 3. Hier, la conférence de presse s'est tenue près de 4 heures, hein, après l'heure annoncée. Quelles sont les divergences qui vous ont pris autant de temps à planir, Monsieur Bemba? Non, mais d'abord, ce sont des discussions, ce sont des débats. Et puis, c'est également l'occasion aussi de faire le point, hein, parce que c'est la première fois que l'ensemble des leaders de la MOUCA se réunissaient après les élections, le 30 décembre. Donc, il était question de pouvoir faire le point et d'envisager, bien sûr, l'avenir. C'est ce qui a été fait. Nous avons sommes mis d'accord sur, en tout cas, partager le même point de vue pour que l'avenir continue au sein de la MOUCA et que les intérêts de la population puissent être défendus, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement dans ce pays beaucoup de mensonges. Les institutions ont été créées et sont fondées sur des mensonges au niveau des résultats, tant au niveau provincial, national et bien sûr au niveau présidentiel. Alors, vous êtes donc, nous dites-vous, d'accord sur un avenir commun. La déclaration indique quand même, je cite, que vous allez étudier les possibilités de transformer la MOUCA en une plateforme politique et en définir les modalités d'organisation et de fonctionnement. Donc manifestement, c'est sur ce point, hein, qu'il y a encore des divergences, puisque c'est pas tranché. Quelles sont les différentes positions au sein de la MOUCA sur la façon dont vous devez participer à la vie politique congolaise? Il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture qui est faite au niveau de ce communiqué et qui doit démontrer clairement que nous allons entamer des discussions pour pouvoir dresser l'avenir de la MOUCA. C'est important parce que il est question là-dessus de préparer l'avenir d'un grand rassemblement. D'autres partis vont certainement nous rejoindre, personnalités vont nous rejoindre. Et tout ça fait partie de la discussion, du cadre dans lequel nous allons mettre la MOUCA, mais la chose la plus fondamentale et la plus précise, c'est que nous allons rester ensemble et que nous allons continuer à mener un combat commun au niveau politique, tout en soutenant l'ensemble des réformes qui doivent être envisagées dans ce pays, parce que 2006, 2011, 2018... on ne devrait plus répéter, je veux dire, les parodies d'élections dans notre pays. Martin Fayoulou, votre candidat est engagé dans un combat, hein, pour la reconnaissance de sa victoire à la présidentielle. Est-ce que ce combat reste la priorité de la coalition La MOUCA? Bien sûr, c'est légitime, parce qu'il a gagné les élections à plus de 62%. On a volé notre victoire au niveau de la présidentielle. On a mené un combat pour le peuple, pour le changement radical au niveau de tant de la gouvernance, au niveau du respect des droits de l'homme que nous voulions installer dans notre pays. Cette victoire qui nous a été volée, il la conçoit et il veut la faire partager. Ce qu'il y a maintenant, c'est que nous devons... Oui, au niveau de la MOUCA, est-ce que vous allez axer votre stratégie sur la reconnaissance de la victoire à la présidentielle ou sur une autre action politique? Non, nous allons étendre l'action politique. Nous devons, comme je le disais, devenir... dans cette plateforme politique, avoir une stratégie pour pouvoir par la suite préparer la population à ce que la MOUCA soit une force d'alternance demain dans le pays. La confiance que la population nous a faite, nous devons la garder et nous devons la mériter. Et les propositions que nous allons faire, les actions que nous allons mener vont aller dans ce sens-là. Monsieur Bemba, une dernière question en quelques mots. Il nous reste peu de temps pour clarifier. Est-ce que vous considérez qu'il faut à présent ou non tourner la page de la présidentielle? On ne peut pas éviter de regarder le passé pour construire l'avenir. Et je pense que ce qui a été fait dans le pays dernièrement au niveau des élections, qui est une fabrication totale de tous les résultats, font qu'il faut absolument que nous mettions en place des mécanismes pour que ça puisse reproduire. Et nous constatons également que la population qui a été lésée, trompée, volée, je veux dire, dans sa victoire, réclame également aussi qu'on puisse veiller à ses intérêts pour demain. Donc la MOUCA va continuer à veiller sur ses intérêts et dans les jours qui viennent, nous allons vous dire précisément de quelle manière nous allons veiller aux intérêts de la population. Donc les discussions sont encore en cours, si nous comprenons bien. Ah oui, des commissions vont se mettre en place pour pouvoir rédiger le cadre, les structures et l'architecture, je veux dire, de la MOUCA pour demain. Chers fidèles abonnés à Congo Dialogue, c'est là étant. Les boucles en abusso pour l'élément d'aujourd'hui.
coup de projecteur, votre émission, et ça, on a qu'on a kobunda bunda kolkaropé sabino éclairage, ainsi qu'à obscurité normalement ezali. C'est justement dans cette même logique de faire comprendre aux gens la logique et la quintessence de ce que les gens ne peuvent pas comprendre. L'objectif principal, c'est de pouvoir vous ramener des informations, n'est pas créer des informations, mais plutôt donner des informations précises, claires et nettes, de manière à pouvoir éclairer nos fidèles internautes, précisément de Congo Dialogue et de Coup de Projecteur, précisément de votre émission. Là, je salue tous ceux qui me soutiennent, mes fidèles internautes. Là, je cite Guilin Kibwanda, GGP, le patron de la Maison La Grâce. Je salue Maître Freddy Biangandou depuis Paris, en France. Je salue Arnaud Mbwanga depuis l'Angola. Arnaud Mbwanga, mon ami personnel. Je salue Francis Ngoy, ici depuis Johannesburg, le grand basketteur. Là, je salue Didier. Je salue Fabrice, ici à Johannesburg. Je salue Eric Zaza, depuis Cape Town. Je salue Pichupaka, Master Yamotote. Voilà, Master Nangai. Mon ala musique solo solo. Je salue José Mboli, mon jeune frère. Je vois mon fils Jojo. Je vois Padoudou, coach Mboli. Je salue Chancel Mboli, Flavie Nouzi, Tania Likombi, Odette Likombi depuis Marseille en France. Je salue Jimmy Likombi, Bana Nanganyo Sorana, la piscine Mbote, Chancel Mboli, Stéphie Mboli, Tati Mboli, Nabakoko Nanganyo, je vous aime tant. Et Masananga Teddy Bokatola, collègue, et mon jeune frère Glody Tutonda. Pour aujourd'hui, on s'est dit bye bye. On se retrouve très prochainement à notre prochain numéro. Ciao.